C'est vous, quand il n'y a pas eu de pensionnat depuis des mois, vous êtes en mode vite, le pensionnat. Et moi je suis là en mode ta gueule, le pensionnat on n'en peut plus ici, ta gueule. Tommy, écoute-moi, c'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, ok? Je peux pas perdre ce boulot. Oui, je comprends. Écoute, on parle de ça demain, ok? Oui, on en reparle demain matin. Ouais, ok, bonne nuit. Hey. Tu me fais une place? T'as eu une dure journée? Qu'est-ce que tu fais debout? Il est tard. Oh mince, quelle heure il est? Il est largement l'heure d'aller te coucher. Mais c'est encore aujourd'hui. Oh chérie, non, pas maintenant, je suis trop fatiguée pour ça. Tiens. C'est quoi ça? Ton anniv. T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors, je me suis dit... Elle te plaît? Oh chérie, c'est gentil, mais je crois qu'elle s'est arrêtée. Elle... Quoi? Non. Avec quel argent t'as acheté ça? La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, dans tes rêves. Les sous-titres, je vous mettrai ça après, quand je pourrai aller dans le menu. Bonne nuit, Trésor. Ça me buse que je vous vois tous hypés en mode « Waouh, cette musique, machin et tout ». Je suis pas du tout avec vous. En mode, oui, bah, je veux de la guitare, quoi. Allô? Sarah, chérie, il faut que je parle à ton papa. Oncle Tommy, il est quelle heure? Je dois parler à ton père, il y a des... Oncle Tommy? Allô? Ok, alors des fois pendant les cinématiques, effectivement, le son sera peut-être pas très fort. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous allez voir qu'au niveau gameplay ça va être très fort, ou alors là c'était pas très fort mais ça sera très fort tout à l'heure. Donc j'ajusterai tout le temps, mais n'hésitez pas à me dire si quand c'est pas trop fort, mais après des fois, bah oui ça sera pas trop fort quoi. Sous-titre, bam, taille. C'est bon, vous voyez bien là? On va mettre moyen, c'est bien hein. Ouais c'est bien moyen. Arrière-plan. Ah. Non, sans arrière-plan je pense hein. Et oui, on peut mettre des noms si vous voulez. Ah, on peut mettre, putain, ça, en vrai, c'est trop bien qu'il y ait autant d'options. Je vous mets les couleurs. Bon, non, vous êtes pas débiles, je pense. Hein. Ah, incroyable. Je laisse blanc et on verra si c'est gênant. Mais c'est trop bien que ce soit aussi bien foutu, les paramètres. Ok. Alors, nous sommes... Oh, mince. J'ai oublié de lui donner ça. Oh merde, il est parti sans sa carte postale de dinosaure. Cher papa. C'est tout. C'est tout ce qu'elle a écrit, hein. Elle sait pas écrire plus. Hein. Papa? Est-ce que je peux courir? Non, je peux pas. Et non, il est pas sous la douche. Papa! Papa! Oh, il regarde la télé. D'abord, prie pour les émeutes sont en fait liées à la pandémie qui frappe tout le pays. Qu'est-ce que t'es passé? D'après nos sources, les patients souffrant de l'infection montrent des signes croissants d'agressivité. Je dois évacuer tout le monde, il y a une fuite de gaz. Hey, on dirait qu'il se passe quelque chose derrière nous. C'est pas ici! C'est là-bas. Ah oui, c'est près d'ici, effectivement. Allez, on va chercher papa, hein. On va chercher papa. Papa.
Après, moi, j'appelle mon père, il répond pas pendant autant de temps, je commence à paniquer de base, hein. Qu'est-ce qui se passe? Là, le son, il va être trop fort, je pense, pour vous, mais bon, vous me direz. C'est son téléphone. Il t'appelle en absence. Mais où est-ce que t'es? Appelle-moi. J'arrive bientôt. Attends, un bon petit bob de jus d'orange avant de partir, là? Ah non? Ok. Je vais rentrer tard ce soir. Ne m'attends pas. Commande à manger. On se voit demain. Papa. Où est-ce qu'il est? Je crois qu'il est parti voir sa maîtresse, hein. Oh, j'ai eu peur du relief. Enfin, du reflet. Je suis trop con, moi. Papou? Oh, il m'a fait peur. Mais pourquoi j'ai peur? Te voilà. Un jeu d'horreur. Tu vas bien? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que quelqu'un est venu? Non, quelqu'un devait passer. N'approche pas des portes. Ne bouge pas d'ici. Papa, hein? Tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est les Cooper. Il y a un truc qui cloche. Je crois qu'ils sont malades. Quelle maladie? Oh, ça m'a fait peur, sa mère! Tiens! Jimmy! Papa! Chérie, viens là, viens là. Jimmy, je te préviens. Oh là 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 là. Allez. Là c'était fort, non, j'ai baissé un peu, hein. Sarah. Je l'ai vu ce matin. Écoute-moi. La situation devient trop dangereuse. Il faut qu'on s'en aille d'ici, tu m'as bien compris. Oui. Tommy, allez. Allez. Non, non, je crois que Jimmy est malade. T'es au courant de ce qui se passe dans le coin? On peut dire ça. Putain de merde. T'as du sang partout sur toi. C'est pas le mien, tirons-nous d'ici. Mais il est très... il a un self-control de fou en vrai. Le son est bas là? Ah ok, je le remets alors. Plus tard. Hé, hey, Sarah. Comment ça va, chérie? Ça va. On peut allumer la radio? Ouais, bien sûr. Oh putain. Merci. Bienvenue sur Skyrock. 21h minuit, c'est Radio Libre avec D-Fool. Ouais, tout se passe bien. Il y a une minute, le journaliste s'arrêtait plus. Ils ont dit où aller? Il disait... l'armée installe des barrages sur la nationale. On rentre plus dans le comté de Travis. Ça veut dire qu'on doit décamper d'ici. On la 60-61, c'est la durée. Ils ont dit le nombre de morts? Sûrement un paquet. Toute la famille a été retrouvée mutilée. Tommy. Dans sa maison. Comment c'est arrivé? Personne ne sait. Mais c'est pas seulement ici. Au début, il parlait juste du sud. Maintenant, il parle de la côte est, de la côte ouest. Oh merde. C'est la ferme de Louis. J'espère. Ah là, c'est plus le barbecue de Louis, j'ai l'impression. Hein. Ah, c'est terminé pour la ferme. Il est malade? Non, bien sûr que non. Comment tu le sais? Il disait que c'était des gens de la ville. Jimmy ne travaillait pas en ville? Si, c'est ça. Alors tout va bien, crois-moi. D'accord. Voyons ce qu'ils veulent. Ah, c'est trop bien parce que je le découvre vraiment et du coup je sais pas du tout ce qui se passe. Quoi. Nous aussi. Mais on a comme pas la petite fille. Continue, Tommy. Quoi? Mais c'est horrible! Vous n'avez rien vu. Bah si, on a tout vu, espèce de malade! On a tout vu, hein. On a tous vu. Oh, ça craint. Il a fallu que tout le monde ait la même putain d'idée. Bah oui, hein. Les bouchons. On pourrait faire demi-tour et... Putain de merde. C'est vraiment Walking Dead, hein. Tommy! Tommy! Oh putain. Qu'est-ce qui vient d'arriver? Mais qu'est-ce qui vient d'arriver? T'as vu ça? Oui, j'ai vu aussi. Tourne ici, tourne ici!
Ouah là 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 là. Non, 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 non. Sors-nous. Je fais de mon mieux. On peut pas rester ici, mais merde, je peux pas leur foncer dessus. Alors fais demi-tour. Ils sont aussi à mon cul. Là, là, là. Accroche-toi. Allez. Ah. Bah non, y'a personne derrière. En vrai, on écrase des gens, c'est pas grave. Wow. Oh, ça m'a surpris. En VR, ça doit être incroyable. Recule, ma puce. Recule. Là, le son, il est très fort, non? Non, ça va, en vrai. Mais attends, j'ai été mordu, là. C'est le pire zombie que je connaisse. Je suis là, chérie, je suis là. Donne-moi la main. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal à la jambe. Mal comment? Mal. On va devoir courir. Merde. Je compte sur toi. Allez, ma puce. Accroche-toi bien. D'accord. Allez, 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 allez. Oh, c'est beau, par contre, hein. Très beau. Mais ça fait peur. Garde les yeux fermés, ma puce. On va par où? On va par où? Les gens, ils sont en feu. Ne regarde pas, Sarah. Ferme les yeux, Sarah. C'est pas ce que tu crois. On va où? On va où? Regarde-moi, ma puce. Oh, ta mère. On va s'en sortir, c'est promis. Moi je vais par là, moi. Ah, on peut pas. Ok, j'ai capté. Reviens. Ils sont trop nombreux. Bah oui, mais on va où? Par ici. Dans la ligne. Ah bah j'avais raison. Et après? Ah d'accord. Allez. Je suis pas capable d'ouvrir une porte ou quoi? Malade. Le temps de réaction de mon pote là, zéro hein. On y est presque, mon gars. Il passe la barrière. Avance. Il trouve une issue. Comment ça, trouve une issue? Mène-toi. Oui, oui. Prends la nationale. Quoi? Ouais, mais je suis à pied. Moi, je peux l'espérer. Oncle Tommy. On se retrouve là-bas. Dépêche. Au revoir, monsieur. T'inquiète pas pour lui, il gère. Ça fait peur les ombres là. On se rapproche. À l'aide! À l'aide! À l'aide! Papa? Oui? À l'aide! Mais ça fait super peur! Cours! Ça va, chérie, c'est fini. C'est fini. Hé hey, on a besoin d'aide. Stop! S'il vous plaît. C'est ma fille. Je crois que sa jambe est cassée. N'avancez pas! Ok. Nous ne sommes pas... Nous ne sommes pas malades. J'ai deux civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres? Papa, où est oncle Tommy? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok? Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok? On veut juste... Oh merde. Je vous en prie. Oh non. Sarah! Ok. Enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais. Non.
Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va aller, chérie, reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Sarah. Oh non, c'est terrible. Chérie. J'ai des frissons, j'ai des frissons. Ne fais pas ça, chérie, ne fais pas ça. Allez. Non. Non. Non, non, pitié. Oh Dieu. Pitié, pitié, pas ça. Pitié. Non. C'est comme ça qu'est né le Joker, hein. Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour protéger nos citoyens. Los Angeles est désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine. Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres et les émeutes durent depuis maintenant 3 jours. Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des 2 attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de 6 membres présumés des Lucioles. Montrez votre révolte à nos côtés. Quand vous êtes perdu dans l'obscurité, cherchez la lumière. Faites confiance aux Lucioles. Ouah, c'est beau par contre. Ouais, j'arrive. Vingt ans, en vrai c'est fou hein. Tu vis 20 ans dans ce monde là, c'est dinguerie hein. T'en veux un ? Non, non, j'en veux pas. J'ai des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Tess ? Dans le quartier ouest. On avait une livraison à faire. Oui. On avait une livraison à faire. Ouais. Tu voulais rester seule, tu te souviens ? Alors attends, laisse-moi deviner. L'échange a mal tourné et le client s'est barré avec notre cam. Est-ce que je me trompe ? L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour 2 mois, facile. Tu veux bien m'expliquer ? J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces 2 connards, ok ? Ouais, je me suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie. Donne-moi ça. Et alors, ces connards, ils sont toujours en vie ? T'es marrant. Tu sais qui c'était, au moins. Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Et ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Robert ? Notre Robert ? Ouais, il sait qu'on le cherche. Il s'imagine qu'il va nous avoir en premier. Oh, le fils de pute, il est malin. Non. Il est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Le vieil entrepôt de la zone 5. Mais j'ignore pour combien de temps. Ouais, ben je suis prêt maintenant, ok ? Oh, ça va. On va choper Robert. Ça, ça me donne envie de refaire les jeux Walking Dead, mais putain, on les a fait déjà une fois, donc je connais les jeux, quoi. Mais là, en ce moment, je suis dans une vibe apocalypse zombie, j'ai envie de faire que des jeux comme ça. Le poste 5 est ouvert. On a que quelques heures avant le couvre-feu. On ferait bien de se manier. T'es sérieuse ? J'ai reçu les foutus papiers ce matin. J'ai été choisie pour travailler hors de la zone. C'est vraiment n'importe quoi. C'est le boulot des soldats d'aller dehors. Je penserai à leur dire. On dirait que c'est que de la cinématique, c'est relou. Ah bah oui, par contre, c'est un jeu... C'est un jeu à scénario, donc vous allez vous taper de la cinématique, ça je suis d'accord. Hein. Il y aura du gameplay après. Là, c'est... En plus, c'est le début du jeu, donc c'est pour installer l'univers, je pense.
de la ville. Ouais, Dying Light, c'est pas mal aussi. C'est vrai qu'on pourrait le tenter en coop. On doit encore manquer de provisions. Mais là, oui, c'est le début du jeu, donc vous allez vous taper beaucoup de cinématiques. Le son est bas, je trouve. C'est vrai, vous trouvez pas ? Bon, alors attendez, on va régler un truc dans les options alors. Parce que moi, il est. Je pense que c'est les effets qui sont trop forts. Et du coup, je vais pouvoir vous augmenter là. Et moi, j'ai pas l'impression qu'il est bas, donc j'ai trop peur qu'après, il soit trop, trop fort au-dessus de ma voix, quoi. On dirait qu'il y a toujours de nouveaux infectés. Ça veut dire qu'il y en a encore qui sortent de la zone. Comment je peux courir plus vite? Ah, je peux pas. Okay. Je nous ai eu de nouveaux papiers. On ne devrait pas avoir de problème là-haut. Je sais que c'est les dialogues qui sont bas, les gars, mais je peux rien faire, moi. C'est bon. Circulez. Vos papiers. Et voilà. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai pris ma journée. Je vais voir un ami. C'est bon, vous pouvez passer. Dégagez d'ici, allez ! Fermez tout ! Joël, on y va ! Allez ! J'arrive ! Ah, c'est L1, let's go ! L'obligation d'évacuer les environs immédiatement. On dirait que la voie est mise. Attention, le poste de contrôle 5 allez, est fermé court, court, jusqu'à nouvel ordre. Rafistole-toi, ok? Ok, alors, pour se soigner, c'est... Maintenez R2 pour se soigner. Ah, ok. Hop là. Ils vont fermer tous les postes de contrôle. Ça, c'est le vrai premier jeu PS5 auquel je joue. Par l'extérieur. Ou alors, on laisse Robert s'en tirer? Hey, Tess, t'as vu ce bordel? J'y étais. Ça donne quoi dans le tunnel Est? RAS. J'y suis passé. Aucune patrouille. Où est-ce que vous allez? On va rendre visite à Robert. Non, mais en vrai, je comprends que le son, ça soit chiant. C'est souvent les jeux comme ça qui sont relous. En fait, voilà, je peux baisser. Je vais baisser l'ensemble. Comme ça, en gros, les dialogues seront plus forts. Vous aussi? Qui d'autre s'intéresse à lui? Marlène. Elle se renseigne à droite à gauche pour le son, il est bien. Oui, oui, je vous crois, mais bon. Pourquoi les Lucioles voudraient trouver Robert? Elle m'a rien dit. Bon, et qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Je sais pas où il se planque. Bien joué. Évite de t'attirer des ennuis, d'accord? L'armée va bientôt débarquer en force. Ouais, à plus tard. À plus tard. Il a la voix du bon PNJ, hein. Marlène qui cherche Robert? Qu'est-ce que t'en penses? J'aime pas ça. On ferait bien de le retrouver avant les Lucioles. Moi, j'en pense que je connais pas trop Robert et encore moins Marlène, du coup. C'est nous. Salut les gars, comment ça va? Ça commence à être le bordel dehors. Comment ça se passe ici? Ah, c'est calme. Aucun signe de soldats ou d'infectés. Ça fait plaisir à entendre. On fait quoi là? Joël, tu peux m'aider à pousser ça? Ouah, voilà, télé. C'est un cube Minecraft, hein. Faites attention à vous, là-bas. Que la lumière soit. Ah, ça empeste. Il devrait vraiment faire gaffe à ce qu'il jette, ici. Oh, moi! Nos sacs sont là depuis la dernière fois. Ah oui, il n'y avait pas un système de craft et tout, je crois. Pas beaucoup de munitions. Les gaspille pas, alors. Emma, elle avait tenté en live il y a longtemps, je crois il y a 2 ans maintenant, hein, le jeu. Et Ok, le Texan. Fais-moi grimper. Et des fois, c'était dur, je crois. Hein. Fais-moi grimper. Ok. Prêt? Bien, madame. Oh,
Allez. Bah, allez, On dirait un jeu sur la vie. Non. Non, non. Allez. Tu parles quand même pas de zombies ou? Ok. Sois prudente. Je le suis toujours, non? C'est okay. Une question piège. Je verrai la sensibilité plus tard. J'étais pas venu ici depuis un bail. Waouh! C'est trop beau, hein? Ouais, ben je suis du genre romantique. C'est magnifique. Putain, là, oui, elle envoie du pâté, hein. Elle est où, l'échelle? Elle doit être quelque part dans le coin. Bah, là, on peut monter, là, à deux. elle fait zéro effort, elle est devant ça, elle est devant elle. Super, rapporte-la ici. Genre, tu l'as pas vue. Je vais péter un câble. Honneur aux dames. Dame, tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Tout est relatif. Par ici. Ça, c'est trop beau par contre, hein. Faut descendre par là. Hop là. Tu crois que Robert a toujours nos armes? J'espère. Pour son bien. Une fois qu'on aura notre marchandise, on devrait pouvoir l'écouler facilement. En parlant de marchandise, quand est la prochaine livraison? Attends. Des sports. Oh non, j'aime pas ça. Ça, c'est vraiment le truc que j'évite, hein, la muscu et tout. Plus je suis loin, mieux c'est, hein. Putain, mais d'où est-ce qu'elles sortent? Il y avait rien la dernière fois. Elles proviennent forcément de quelque chose. C'est une laverie. Voilà ce qu'on cherchait. Le corps n'est pas très vieux. On ferait mieux d'ouvrir l'œil et de tendre l'oreille. J'ai cru qu'à dire on ferait mieux de l'ouvrir. Ouais, on devrait pouvoir passer par là. Oh merde! Merci beaucoup, Emma. Qui ouais. Se resub. Le mais... plafond est un vrai gruyère. Maintenant, attention. Oui, ok. Pour les 28 mois, bah, merci ici. Beaucoup. Pourquoi je le vois pas dans le chat? Doucement. Putain! Attention, attention! Aidez-moi. Mon masque pété. Bah tu vas mourir mon ref. Ne me laissez pas muter. Pitié. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah franchement moi je le connais pas ce chauve. Je vais pas utiliser une balle pour lui hein. Désolé mon ami. Revenez. Non. Arrête. Me fais pas culpabiliser, je veux rien entendre. Bah écoute, et là pour l'instant c'est le début, mais pour l'instant en vrai j'aime bien. C'est du Uncharted version zombie quoi, j'aime bien. Restez en position accroupie pour vous approcher discrètement de vos ennemis et appuyer pour les saisir. Ok. Ah mais c'est pas des zombies. Ah si, c'est un zombie. Ouais, le jeu est beau par contre. Ça, je suis bien d'accord avec vous. C'est pas vrai. Il voit pas ma lumière. Mais pourquoi ils mettent pas? Bah super. Bon, super. On les a tous eus. On les a tous eus, mais je crois qu'il y a un bug dans la matrice là. Je crois que j'ai du sang sur les mains, hein. Je rêve. Les graphismes PS3, c'est pas la même. Bien sûr. Mais déjà, à l'époque de la PS3, c'était une dinguerie, hein. Hop là. Ah non, par contre, c'est vraiment trop beau. Hein. Ça, on pourrait rien dire. Tu joues en quelle difficulté? On joue en normal. Désodorisant à Bill.
J'avais pas envie de mettre en trop facile. Ce serait une bonne idée. J'ai pas envie de me niquer mon expérience de jeu en mettant en trop dur, quoi. Par ici. C'est bon. Bah, si la difficulté est réaliste, c'est un peu comme les Uncharted et tout. Moi, j'ai déjà fait plein de fois, mais. La planche est tombée. Bah. Ouais, j'imagine qu'on peut pas sauter du coup. Faut que je descende, c'est ça? Ok. Ah oui, effectivement, la planche est tombée, elle est vraiment au milieu du truc, quoi. Pourquoi c'est tout le temps moi qui fais tout? Vas-y, passe-la moi. C'est un peu lourd. Je devrais pouvoir m'en sortir. D'accord. D'accord, il y croit pas du tout, hein. Ok, nous on vient de là, non? Ramène tes fesses, on y va. Quelle autorité? On est presque arrivé. Je crois que... Ah! Oh, une barre de chocolat, alors ça, quelle chance. Putain, j'ai que 5 balles, quoi. Assurons-nous qu'il n'y a pas de soldats ici. C'est bon, on y va. Je suis désolé, je parle pas beaucoup, mais en vrai, c'est un live où j'ai plus envie de me mettre en immersion qu'autre chose, quoi. Ramasse ces munitions. Je suis sûr qu'on en aura besoin. Ok. Hé, petit. Regarde si la voie est libre. C'est vraiment un enfant, quoi. Pas de soldats, pas d'homme de Robert, ok? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres stuff dans le coin? Tu sais qu'il nous attend. Eh ben, ce sera plus intéressant. Bah, je fouille vite fait, quoi, je... C'est bon. Allez. Hey, ma belle, comment ça va aujourd'hui? Pas maintenant, Terrence. Non, c'est bon, j'ai la carte. Maintenant, t'as compris? Ok, je peux le faire. Honneur aux dames, je t'en prie, vas-y en premier. Si tu touches, tu payes. Tess, ça faisait un bail. Tu nous rends plus visibles. Où est-ce que tu crois aller? Malik, rassieds-toi. Désolé, Tess, j'avais pas vu que vous aviez. Allez-y. Allez hop, victimisé. Salut mon gars! C'est qui? Une vieille prise de tête, cherche pas. J'imagine que c'est à droite. Je cherche Robert. Vous l'auriez pas vu? Il y a une demi-heure. Il est retourné au quai. Il y a encore. Il a une tête de con. Il a une tête trop bizarre. Oh non. Ça, là, dans Uncharted, ça ressemble à une arène. Une arène de gunfight. Et moi, je suis trop nul au gunfight. C'est parti. Salut à vous, les copains. Avec des flingues. On passe. Vous feriez mieux de faire demi-tour et de rentrer chez vous si vous tenez à la vie. On vous fera pas de mal. On veut juste Robert. Ne faites pas ça. Faites demi-tour et foutez-moi le camp. Hors de question que je parte sans Robert. Hey, je vais vous défoncer le crâne si vous dégagez pas d'ici immédiatement. Bla 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 bla, mon gars. Merde. Ah oui, d'accord, il y a zéro hésitation là. T'es prêt? Ouais. Bah, pas le choix. Je te couvre. Élimine-les.
T'es trop nul! Aïe! Chope-le, chope-le! Putain, je suis trop nul. Comment on se soigne déjà? Écoute, il est pas mort? Comment on se soigne? Ah, j'ai pas de quoi me soigner, oh, fils de pute. Attendez, par contre, faut que j'augmente. Je m'en doutais, mais du coup, il faut que j'augmente la sensi. Hein. Viser Y. Non. Bien joué, le Texan. Ah, c'est un peu mieux. On va mettre à fond, en fait. Hein. Merde, c'était en haut. Hop. Et c'est quoi le DualSense? Ah ouais, ça c'est incroyable par contre. Hein. Ça c'est une dinguerie. Hein. Toi aussi. Ouais, là c'est mieux. Là. Comment il a fait pour tous les rameuter? Robert est doué pour une seule chose. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis pas très bon, mais ça va venir au bout d'un moment. Hein. Moi, je me rappelle que j'ai pas beaucoup de balles, mais ça va. Je regarde dans les poubelles, mais y a rien. Ça, par contre, je suis désorienté le fait que... Ah merde, c'est pas la bonne touche. Le fait que L2 et R2, vu que c'est de la PS5, ça soit, comment dire, des touches très lourdes à appuyer. Ça fait très bizarre. Est-ce que je viens de niquer un chargeur, là, vraiment? Merde, on peut pas passer par là. Ok, bien. Donne-moi ta main. Okay. En vrai, elle a des sacrés bras parce qu'il faut... Il faut le soulever, le frérot, en vrai. Hein. Oh putain, non. On la reconnaît, la reine. Hein. Ouvre-toi. Encore des gardes Robert. Merde. Mais c'est qui ce Robert? Tu sais qu'ils arrivent. Deux de nos gars sont morts en essayant de buter Tess. Je te garantis qu'elle et Joël sont en chemin pour choper Robert. Putain. On n'aurait pas dû prendre ce boulot. On n'a pas le choix. Mais précis, Texas. Séparons-nous pour s'assurer que personne ne rôde ici. Moi aussi, je veux un couteau. Avance, avance. Bah, j'avance, hein. J'avance. Okay. Moi je veux ces balles. Pourquoi je peux pas ramasser ces balles? C'est nul. Pourquoi je peux pas ramasser ces balles? Alors ça j'aime pas ça. Oh, mais il y en a d'autres là. Au fait, je suis passé par Jordan Street et tout un tas de soldats ont débarqué avec 5 civils, avec des menottes au poignet. Laisse-moi deviner. Des lucioles? Ouais. Ils les ont alignés contre le mur et bam, bam, bam. Ils les ont tous exécutés. Putain de merde. Ouais, c'est comme ça partout en ville. Ils leur tombent dessus sans ménagement. J'ai un cousin avec eux. T'es sérieux? Ok, ok, là c'était pas mal là. Là on était synchro, là c'est ok. Allez, on fouille le coin. Vas-y, on fouille. Bah j'ai fouillé, j'ai fini. Hein. J'ai fini. Hop là, je vais passer d'abord. Hey, on a consolidé les caisses dans l'entrepôt sud. Tout est sous clé. Ok, donc ça bien, c'est pour faire diversion, j'imagine. Genre l'acheter là-bas. Et Robert, t'as entendu ça? Je crois qu'il y a un truc par là. J'aimerais qu'il y en ait qu'un qui vienne. Bah pourquoi il court? Eh, peureux! Il laisse son pote y aller tout seul, ce fils de pute. Dépêche-toi, dépêche-toi!
Oh, t'es passé où? Chut. Reste cool, mec, ok? Chut. Garde ton calme. Ok, ça c'est très bien ça. Est-ce qu'il y a des petits trucs à récupérer dans le coin? Oh, les gros pas qu'il fait quoi. On va prendre ça au cas où. Et il y a le chauve qui est parti par là-bas là. Hé, là. Où ça? Putain. Oh, putain, est-ce que t'as vu ça? Hein? Quoi? T'as entendu ça? Ouais. Mais qu'est-ce que c'était? Il y en a un là-haut. Et là-haut, il faut qu'il tourne le dos, hein. Je vois rien du tout. Bon, on continue alors. Oh! Oh merde! Non. Ah. 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 J'imagine que c'est pas normal. Mais... Oh! Qu'est-ce que. Mais ça va pas tirer! Il m'avait pas vu! Aïe! Mais pourquoi j'ai pris une balle? Mais il était là il y a 2 secondes! Aïe! Qu'est-ce que pute? On aurait dû emmener d'autres gars avec nous. Mais c'est toi qui as voulu y aller tout seul. Ouais, t'as raison. Bah ouais, j'ai raison, bien sûr. Tiens, fais-toi un pansement. Merci. Oh, j'avais pas envie. Ils sont par là. On y va. Les clés sont par où? En bas? Ah oui. Moi je voulais fouiller en haut. Voilà notre homme. C'est lui, Robert. Ce sale fils de pute. Ah. Allez, finissons-en. Ok. Il faut qu'on réfléchisse. C'est un moment où il arrive. Ouais, bah on a perdu nos contacts au nord. Même chose au sud. Merde. Comment on fait notre... Merde. Notre pouvoir... On doit prendre ses boulots pourris de garde du corps. Ah oui, voilà. Cet enfoiré de Robert ferait bien de tenir. Et ça t'avancera à quoi, hein? Je te le dis, cette zone est foutue. On ferait mieux de trouver un moyen de filer ici. T'es dingue. Ça serait du suicide d'aller dehors. Ok. Plein d'autres passeurs le font. Tu crois qu'il va se passer quoi quand il n'y aura plus de protection? Je préfère encore rester ici. Oh putain de merde. Il m'a vu! Comment il m'a vu? Qui c'est qui tire là? Couvre-moi! Ah. J'y vais! Ah. Allez, on lui pète la gueule, on lui pète la gueule! Merde, c'est ma pote. Droit de mort. Couvre-moi. Je l'ai eu. T'as rien eu du tout, mon ref. Par contre, moi... Oh, il y avait un mec avec un bout de bois. Il faut qu'on réfléchisse. Ok, on va réfléchir. Plus.
attention Tess hein. Ok c'est lui. Merci beaucoup Grim pour ton sub offert. Tes 3 subs offerts. Merci beaucoup. C'est super gentil. Que dalle. Je suis vraiment parano. Allez, tourne-toi mon ref. Vous pensez qu'ils m'ont repéré du coup? Ah! Il m'a fait trop peur! Ah! Il m'a fait trop peur! Mais ça a pas tiré hein! À ta gauche! Waouh! J'ai mal! Couvre-moi! Par où il me tire dessus là? Tess? Couvre-moi, t'avances! Vas-y, sonne-moi cette blessure! Attends! Tu crois à l'aide! À l'aide! Mais Tess! Elle m'a pas aidé là! Elle m'a pas aidé! Faut qu'on avance. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Ok. C'était quoi? Y'a quelqu'un. Qu'est-ce qui est? Elle sert à rien, elle. Doucement. Oh oui, un couteau. On va rentrer dedans, d'accord? Là-bas, je vois. C'est pour ça que t'as dit voilà ou juste pour lui? Le bureau là. Robert a dû s'y réfugier. Ok. On y va. Ok. Traînons pas dans le coin. Waouh! Reculez, reculez, bordel! C'est lui, Robert? Je peux parler, Robert. Ah oui. On a rien du tout à se dire, putain! T'as pas une tête. Mets de Robert? Allez vous faire foutre! Ivar! Robert! Joël, par ici! Bah vas-y hein! Arrêtez-vous! Monsieur Robert! On a failli la voir! Vite, 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 je me suis trompé de porte! Oh merde, je me suis encore trompé! Joël, par ici! Oui! Joël! Hein? Salut Robert. Salut Rob. Tess, Joël. Sans rancune, pas vrai? Exactement. Ok. Oh putain!
Tu nous as manqué. Écoutez, j'ignore ce qu'on vous a dit, mais c'est faux, ok? Je veux juste... Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes? Oui, bien sûr, mais... C'est compliqué, d'accord? Mmh. Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer, je dois... Ah oh, merde! Ah stop! Oula. Stop! Stop! Merde! Arrête de gigoter. Tu disais... Je les ai vendus. Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé. Envers nous. Mais t'as misé sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer. Allez. Qui a nos armes? Je peux pas. Bon, moi je peux lui casser la gueule. Hein. Enfin, ah mais Joël il a... Ah mais il me dégoûte, il a cassé le bras. C'est les Lucioles. Je les ai vendues aux Lucioles. Quoi? Écoutez, ils sont presque tous morts. On a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on s'en fout des Lucioles. On va les chercher. C'est vraiment une idée de merde. Ah putain, je suis choqué. Je pensais pas qu'ils allaient le tuer. Et maintenant? On va récupérer notre marchandise. Comment? J'en sais rien. On peut leur expliquer. Écoute, allons voir une Luciole. Pas besoin d'aller très loin. Eh ben voilà. La reine des Lucioles. Pourquoi vous êtes là? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Oh, petite grippe. Oui, Robert. Il est par terre, là. Il fait une petite sieste. Il me le fallait vivant. Les armes qu'il t'a données, elles n'étaient pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonné. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer? Faut les mériter. De combien de cartes t'as besoin? Rien à faire des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes, et même plus. Comment être sûr que tu les as? Il a une voix hyper connue, mais je sais pas qui. Je sais, l'armée vous a décimé. T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes. Je dois y aller. C'est pas une voix dans Peaky Blinders? Je veux voir ces armes. Suivez-moi. Je crois que c'est ça, hein. C'est possible. On doit partir d'ici, maintenant. Johnny Depp? Si vous êtes partant, arrêtez. Il faut qu'on bouge. C'est la voix de Johnny Depp? Je connais un autre chemin. Venez. On a fait qu'un, là. Vas-y, à toi l'honneur, hein. Non, Johnny Depp, c'est Uncharted. Mais attends, Nathan Drake, c'est pas Johnny Depp. Vous me faites... Mais attendez, vous... Mais vraiment? Je me suis jamais rendu compte si c'est le cas, hein. Bordel de merde. Ce sont les Lucioles? Ce qu'il en reste. Pourquoi tu crois que je vous demande de l'aide? Par ici. Ah, Nathan Drake, mais attendez, mais... En plus, j'avais envie qu'on refasse les Uncharted ensemble parce que... ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je les ai pas fait. Et puis le 4, j'ai jamais fait. Mais je suis choqué parce que maintenant que vous me le dites, je crois que ça va me sauter au... Non, pas du métier, je viens de trouver l'info en 2-2. Oui, mais peut-être que pour Nathan Drake, si, non? Pourquoi maintenant? On s'est fait discret. On pensait quitter la ville, mais il faut des boucs émissaires. Ils ont voulu nous pousser à bout. On dirait qu'ils l'ont fait. Non, Joël, c'est pas le même doubleur, je sais. Joël, donne-moi un coup de main. Pousse-toi.
Laisse faire les muscles. Je suis persuadé que la voix de Joël, c'est un gars dans Peaky Blinders, j'en suis sûr. Ça ira. Ça me dit trop un truc, sa voix. Genre un des frères de Tommy. J'ai une idée de quel frère, mais je suis pas sûr. Stop. Des soldats. C'est la sortie. La porte sous le pont. Je suis pas très fan de ces trucs. Ah non, on peut se faufiler dehors. Même si je sais que c'est pas votre style. On verra ce qui se passe. Allez, on y va. Ouais, le plus âgé. Mais je crois pas en fait. On doit atteindre cette porte. The Walking Dead, il fait Mitch. Je sais pas c'est qui Mitch dans The Walking Dead. On a commencé la série The Walking Dead avec Emma. Enfin, on a commencé. Emma a commencé sans moi parce qu'au début, moi, j'étais pas trop dans le délire. Et du coup, j'ai commencé la série qu'à partir de la saison 4 ou 5, je sais plus. Et Nathan Drake et Johnny Depp, c'est la même voix, c'est Bruno. Ok, putain, incroyable. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, bah, le début de la série, je l'ai pas vu en fait. Moi, j'ai vu qu'à partir de la série saison 5 ou 6, je sais pas à quel moment j'ai pris le train. Elle a pas l'air ouf la série, ça me tente pas. Laquelle? Mais attends, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ok, je peux aller là-bas. Vous avez choisi le mauvais jour pour nous faire chier. Allez vous faire foutre. Ok, infiltration. Walking Dead, bah alors. Moi, tout, je me permets de mettre pause parce qu'après je vais me concentrer. Tout le monde me disait, ouais, la série The Walking Dead, claquée au sol et tout. Et du coup, ça fait des années que j'avais pas regardé. Et Emma, elle a commencé à reprendre la série parce qu'elle, elle avait abandonné aussi il y a longtemps. Et j'étais en mode, putain, mais en vrai, c'est trop bien. Genre, premier degré. Et en fait, de la saison 1 à la saison 6, tout le monde dit que c'est incroyable. Et je veux bien le croire du coup, parce que bah, moi, j'ai commencé à la saison 5 ou 6. Mais avant, ça devait être sûrement très bien aussi. Et en vrai, quand tu rentres dedans et que t'aimes bien l'univers, c'est vraiment trop lourd. Mais là, on arrive à la saison... Là, on a la saison 8, je crois. La saison 7, le début était bien. Au bout d'un moment, ça devenait un peu chiant. Et la saison 8, j'ai l'impression que... Bon, vas-y, frère, c'est chiant, quoi. Mais le début, en tout cas, incroyable. Jusqu'à la saison 5 sur... Saison 6, même. Jusqu'à Alexandria, là, où je sais plus comment ça s'appelle. C'est OK. De fou malade, c'est OK. Et après... Saison 7, c'est bien, mais ça, j'ai l'impression de voir les mêmes épisodes au bout d'un moment. Saison 8, j'ai l'impression que c'est long. Et on m'a dit que plus le temps passe, plus c'est long. Donc, je sais pas, je pense que la fin est pas ouf, mais le début est vraiment bien. J'ai toujours eu l'impression que c'est un truc pour ados, en fait. Ah non, alors pas du tout, par contre. Hein. C'est pas du tout un truc pour ados. Hein. On n'est pas du tout sur un truc teenager. Hein. Mais me spoilez pas dans le chat au cas où, parce que on n'a pas fini, quoi. Ah, ok, il va pas bouger. Moi, j'y vais alors. Ça te servira à rien de tuer. Ta gueule. Bien, pas de bruit. Pas de bruit, pas de bruit. Pas de bruit, mais elle court, elle. Soyez prudents. Ouais, elle peut courir accroupie et pas moi. Oui, Arthur Shelby dans Peaky Blender. C'est la... C'est sa voix? Ah, mais c'est elle. Mais casse-toi. The Walking Dead, au contraire, c'est très adulte. Les problématiques, les dialogues, et puis c'est gore. Ouais, de fou. Ah, je peux lui jeter dessus? Mais ça ne mène à quoi, à part perdre ma bouteille? Mais... Il sait que je suis là, là, du coup? Mais ils t'ont vu, là, ils t'ont vu, hein. On vous a tous vu. Allez là, meurs. Ta mère. Les enfoirés. Mais il va crever. J'ai une balle. Il a bougé. On prend un peu de tout. Pour l'instant, le jeu, je le trouve cool.
J'ai hâte de voir comment va se développer le scénar. Oh là là, c'est terrible là. Oh, c'est terrible. J'étais trop loin pour lui viser dans la tête, je pense. Putain, j'ai visé trop de balles bêtement là. Mais en même temps, j'ai pas compris. C'était nul de lui lancer en fait. Ah si, je peux me soigner. Ah ok, on est plus au découvert. J'ai cru qu'il y avait d'autres ennemis, moi. Putain, ils ont eu Warren. Oh non, pas Warren. Adieu, mon ami. On devrait y aller, Marlène. Oh, tu joues trop mal, toi, par contre. C'est quoi ce délire? Tu as raison. On y va. On n'est plus très loin. Dégage. Allez, rentrez. Où est-ce qu'on va, Marlène? Par ici. On n'est plus très loin. Ça va? Plus pour longtemps, mais ça va aller. Tu veux dire que tu vas mourir là ou je rêve? Il faut être positif dans la vie, hein. On est presque arrivé. Attention, le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. Ah ouais. Même quand c'est une apocalypse zombie, on peut même pas faire tout ce qu'on veut, quoi. C'est super. C'est quoi la marchandise? Sache que le 2 est mieux que le 1. Ok. Attention, le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. Putain, par contre, en vrai, niveau décor, c'est très beau. Genre, je trouve qu'il y a un mood vraiment. On est dans l'ambiance, quoi. Ça va aller, hein. Joël, donne-moi un coup de main. Ouais, tu sais pas appuyer sur une poignée? Attends un peu. Relève-toi. T'approche pas d'elle. Lâche-la. Dis donc, tu les recrutes pas un peu jeunes? C'est pas une luciole. Oh, merde. Qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé de l'aide. Et ce sera sans moi. Dans ce cas, je reste. Ellie. Faut que tu rejoues hors live, Emma. C'est notre seule chance. C'est elle qu'on fait sortir. Un groupe de lucioles vous retrouvera au Capitole. Par contre, de plus en plus faibles les c'est voix. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire. Vous la déposez et à votre retour, vous aurez vos armes. Deux fois ce que Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où? À notre camp. On fera rien sortir avant que je les ai vues. Viens avec moi. Tu pourras acheter un œil aux armes. Et je pourrais me faire soigner. Mais pas question qu'elle traverse ce coin de la ville. Joël restera avec elle. Attends, je pense la pas merde, que ce soit je une bonne idée. Avec lui. Tu les connais d'où? J'étais amie avec son frère Tommy. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrais compter sur lui. C'était avant ou après qu'il quitte ta milice? Il t'a quitté aussi. C'était un type bien. D'accord. L'emmener au tunnel nord et attendez-moi là-bas. C'est pas vrai. C'est qu'une marchandise, Joël. Je suis babysitter. Trop le seum. Marlène. Assez discuté. Tout ira bien. Maintenant, suis-le. Dépêche-toi. Et toi, ne t'éloigne pas. Mais c'est sûr, c'est une voix dans Peaky Blinders, j'en suis sûr et certain. Je regarderai après. Bah en vrai c'est rien d'y jouer en mode facile hein. C'est le genre de jeu, c'est comme les Uncharted tu vois, genre c'est le genre de jeu,
mettre en difficile pour mettre en difficile, il faut aller se faire enculer. Mais oui, c'est Arthur. Ah, trop bien. J'avais bien reconnu, du coup, ok. Incroyable. En vrai, ce genre de jeu, tu mets en, le mieux et le but, c'est de profiter du jeu, tu vois. T'es pas là pour relever le défi de « Ok, les gars, je vais tryhard !» J'ai entendu les tirs, mais... C'était quoi ? T'inquiète, c'était les des lucioles. Pétards. Il va nous arriver la même chose si on ne quitte pas la rue. Ah, j'aurais pu prendre les escaliers, hein. Arthur Shelby, putain, incroyable. Je suis vraiment le boss, hein. J'ai reconnu direct. Incroyable, Arthur. Et maladie Victor, hein. Il n'y a aucun Victor dans Peaky Blinder, hein. Aucun. Par ici. La partie 3, elle sort quand ? La partie 3, elle est pas prévue, je pense. Pas pour l'instant. Allez, dépêche-toi. Mais oui. Hé, hey, elle me parle trop mal, hein. On va se calmer, hein, ces ardeurs. Accroupis-toi! Ou étant des criminels recherchés et passibles de mort. Ne prenez aucun risque et signalez toute activité suspecte immédiatement. Où est-ce qu'on va? Là-haut. On pourra atteindre le tunnel nord. Comment tu veux qu'on grimpe là-haut? Avec une poubelle! Donne-moi. Regarde. Toi, ça se voit, tu connais pas le génito en fait. C'est ça ton problème. Regarde, bouge pas. Attends, est-ce que la maniabilité elle est vraiment pourrie par contre de la poubelle? Ok. Mais attends, mais elle est plus petite que toi, elle va jamais monter là. Ah, peut-être que je vais la porter, tu me diras. Ah non, ok. Tout est normal. Ce tunnel, vous faites du trafic dedans ? Oui. Des trucs illégaux ? Parfois. Et une gamine, ça se fait ? Quoi ? Non, c'est une première. Il se passe quoi entre toi et Marlène, au juste ? J'en sais rien. Je suppose qu'on est amis. Amis ? Alors comme ça, t'es amie avec le chef des Lucioles. Alors que t'as quoi, 12 ans ? Elle connaissait ma mère et elle a veillé sur moi. Et j'ai 14 ans, même si je vois pas trop le rapport. Et tes parents, ils sont où ? C'est un pour tout le monde. Ça fait un bail qui sont... Mais comment vous vous entendez, là ? Allez où ? Alors, au lieu d'aller sagement à l'école, tu décides de t'enfuir et de rejoindre les Lucioles, c'est ça ? Je peux pas te dire pourquoi je dois sortir d'ici, si c'est ce que tu veux savoir. Tu sais ce que je préfère dans mon boulot ? J'ai pas besoin de raison. J'en ai rien à cirer de ce que vous préparez, toi et tes potes. Tant mieux. Bien. Bah, hey, super votre conversation, en tout cas. Pourquoi ils sont méchants l'un envers l'autre ? C'est ici. Ah, peut-être que ça lui rappelle sa fille, du coup, il a pas envie ? Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais ? Je tue le temps. Et je suis censé faire quoi, moi ? Je suis sûr que tu vas trouver un truc. Ta montre est cassée. Oh ben. Il faut pas. T'as parlé en dormant. J'ai horreur des cauchemars. Ouais, moi aussi. Tu sais, j'ai jamais été aussi proche de l'extérieur. Il fait tellement noir. Ça peut pas être pire dehors. Je pense que si. Pas vrai ? Qu'est-ce que les Lucioles te veulent, au juste ? Hé, hey, désolée d'avoir été si longue. Il y avait des soldats partout. Comment va Marlène ? Elle va s'en tirer. J'ai vu la marchandise, c'est énorme. T'es prêt ? Ouais. Allons-y. Ouais, mais spoil pas sur la série, j'ai pas vu la série, je veux faire le jeu avant. Bon, même si la série reprend le jeu à copier-coller d'après ce qu'on m'a dit, mais bon. Tu trouves pas ça bizarre qu'il nous confie cette mission ?
Marlène voulait le faire elle-même. Ça n'était pas son premier choix. Ni Merde. Même le deuxième. Franchement, mec. Elle a perdu beaucoup d'hommes. Elle a pris ce qu'il restait. Ouais, espérons qu'il reste quelqu'un pour nous payer. Il y aura forcément quelqu'un. C'est un ascenseur. Pourquoi elle a une tête en modèle Bood? Elle fait pas la gueule. Hein. Faut appuyer sur le bouton, les gars, parce que si on attend, on va attendre longtemps. Hein. Personne va appuyer? Ah, c'est à moi de brancher, d'accord. J'ai bien compris. Merde. Oh merde. Ouais, c'est Dead by Daylight ou quoi là? Qui nous attend au point de rendez-vous? Elle a dit que des lucioles avaient fait le voyage depuis une autre ville. La fille doit être importante. C'est quoi ton problème? C'était la fille d'une huile ou un truc dans le genre? Ouais, un truc comme ça. D'une huile? Genre, ça va être encore long. Si tout se passe bien, on devrait te livrer à eux d'ici quelques heures. Oh, l'angoisse de ça, par contre. Une fois sorti, tu feras tout ce qu'on te dit. Et tu resteras près de nous. Ouais, pas de problème. Bah, allez! Oh, je suis obligé de les attendre. C'est dingue, ça. On se regarde tous comme ça pendant longtemps, j'ai compris, j'y vais en premier. Ah. Mais attends, mais... C'est quoi votre problème? Pourquoi je peux pas y aller? C'est pas par là? Attends. Ascenseur. Oh, on va prendre ça. Oh non, c'est du papier, je m'en fous. Pourquoi je peux pas monter? Ah putain, d'accord. Ouais, il fallait que je saute, mais c'est pas... C'est pas logique. Ok. C'est bon, montez. Désolé pour le retard. T'inquiète, hein. Allez, petite. Vous venez quand vous voulez, hein. Vous nous ferez juste toutes les meilleures vannes du monde, mais... Un autre détail, ça. Waouh. Cette pluie ne va pas nous aider. Vraiment dehors. Ouais, mais attends, c'est pas positif, hein. Par là-haut. Il y aura une rediff, oui. Oh, il m'a fait peur, putain. C'est pas un jeu d'horreur, pourquoi j'ai peur? Tournez-vous, à genoux. Calmez, j'appelle le QG. Ok. Des mains sur la tête. Ici Ramirez, dans le secteur 12. Demande un ramassage pour 3 vagabonds. Bien reçu. On peut s'arranger. On a largement de quoi vous payer. La ferme. Dans combien de temps? Quelques minutes. Désolé. Pourquoi ça? Elle a trop hésité. Ça, ça me rend fou, même dans les séries, quand ils hésitent trop longtemps, là. Merde! Je pensais qu'on allait juste les retarder ou un truc du genre. Merde. Regarde. Oh merde, elle a le Covid. C'est pas vrai. Elle a le Covid, putain. Marlène nous a piégés. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une gamine infectée? Je suis pas infectée. Ah non? Et le scanner, alors? Je peux vous expliquer. T'as intérêt à faire vite. Regardez. Je me fous de savoir comment t'as été infectée. Ça date d'il y a 3 semaines. Non, tout le monde se transforme en 2 jours, alors arrête de mentir. Ça fait 3 semaines, je vous jure. Pourquoi?
pourquoi est-ce qu'elle vous tendrait un piège? Je la crois pas. Merde. Tess, cours. Cours! Debout. Allez, cours! À court, hein? Mais... Oh, pourquoi tu commences à courir pour attendre, frère? J'ai deux soldats morts. Avance! J'ai deux morts vite. Il faut avancer vite, on a dit, hein. Donc moi, je cours. Hein. Non, non, pas à couvert, moi je cours. Je peux aller par là. Signal, on court. C'est quand le signal là? Vas-y, cours. Et tu vas courir où? Ah, c'était bien par là. Ah, mais si, je pouvais y aller, putain, ok, d'accord. Pas de la lumière. Ouf. On speedrun, hein? Ellie, il va encore falloir courir. Prête. Ouais. Ils sont partout. Je les vois. Ils ont dû réussir à passer. Vérifiez les tranchées. Restez allez par là. Moi. Rien du tout, ici. On est sûr qu'ils sont passés par là. On va voir ton père. On peut que les recherches. Attention, faut pas qu'ils nous voient. Ok. Il va forcément avoir des gens là. Ça me paraît trop facile. Je les entends. Ça doit être les enfants et messieurs qui vendent. Attends. On en aura bientôt fini avec eux. On peut passer par là. Ok. Passez en dessous. Ok. Allez. Ok. Musclore. Bon là, on va arrêter de speedrunner, je pense. Allez, vas-y. On peut là. Ils sont nombreux par ici. Comment on va faire pour passer? Ils nous ont pas encore repérés. Faisons le tour. Pas encore. Mais arrête de crier. Ils sont trop nombreux. Oh merde. Oh putain. Attention. Allez. Essaie de faire diversion. Qui est là? Il a pas vu la bouteille venir de sa droite, il est vraiment bête. Chut, mon gars, tais-toi. Et vous faites du boucan là? Mais je rêve! Fais gaffe! Oh. Putain, c'est même pas ma faute. Aïe! C'est même pas ma faute! Allez-y! Je cours! Joël! Quoi? J'ai plus de balles! Toi un pansement. Merci. Je suis vraiment le... Oh merde. Je suis Emma quand on joue à des jeux. Je suis le boulet. Droit devant. J'espère qu'elle est pas là et qu'elle verra passer de vanne. Ok, je vais la voir. Ah non, mais j'ai plus de balles en fait. Grenade! Non, c'est faux. Il me faut des munitions là. Ah,
Il va arriver, hein. Mais qu'est-ce qu'il branle là-haut, là ? Il est monté sur un truc. J'ai plus de munitions. Wow. Faut qu'il vienne à nous, hein. On n'a pas le choix. Il est où là? Ah merde, on a échangé nos places. Il sait où il sait que je suis là? Gentiment. Par ici, allez. Y a pas des munitions, quelque chose? C'est la merde. C'est la merde. Tess, tu sais par où il faut aller? Une minute. Voyons où ça nous mène. Ouais, je sais qu'il faut fouiller, hein. Je vais fouiller, mais... Il fait super peur cet endroit. Ils font quoi là? Ouais, ça doit être ça. Éloigne pas. Oh, je m'éloigne pas, hein. Au moins, on n'est pas sous la pluie. Qu'est-ce que. Ah putain, je dois faire ça pour allumer ma lumière, quoi. Je crois qu'on peut passer par là. Je crois que je cherche des balles là, surtout mon gars. Alors tu vas te calmer deux secondes. Merci beaucoup, Mixou, pour ton Prime. Merci à toi, putain. Bientôt les 200 subs, les gars. Ah non, pas du tout. Pourquoi sur Twitch ça me dit que je suis à presque à 200 subs alors qu'en vrai. Pas du tout. Ah non, dans 5 subs je suis à 200 subs. Putain, bientôt les gars. Incroyable. Oh non, pas ça. Merde, encore des soldats. Cible toujours en fuite, chef. Arrêtez les recherches et présentez-vous au secteur 11. Je crois pas qu'ils nous aient vus. Bien reçu. Tous à vos véhicules. Restez dans l'ombre. Oui, la lampe torche, je sais, mais bon. Ok. Il y a forcément des munitions dans ce genre de bâtiment, là. Ah, yes. On est en sécurité? Non. Ils sont encore dans le coin. Du tout. Reprends ton souffle quelques secondes. Joël, regarde s'il y a des trucs utiles ici. Oui, compris, chef. Je cherche, mais je vois pas. Ah, s'il y a des outils, on va pouvoir crafter tout à l'heure. Matelas là. Bah voilà, j'ai tout pris, hein. Y a un autre chemin? Ah oui, c'est par là, non? Vous venez? Bon, bah j'imagine. Tess, que... en haut, dans ce conduit. On doit pouvoir passer par là. Éloigne le pain. Attendez. Ok. Ils sont partis. Bon, c'était quoi le plan?
Imaginons qu'on t'ait livré aux Lucioles comme prévu. Et après ? Marlène, elle a dit que... qu'ils avaient leur propre zone de quarantaine. Avec des docteurs qui travaillent sur un remède. Ouais, on a déjà entendu ça, hein, Tess. Et que... quoi qu'il me soit arrivé, c'est la clé pour trouver un vaccin. Oh, je rêve. C'est ce qu'elle a dit. Oh, mais j'en doute pas. Hé, hey, je t'emmerde. J'ai jamais demandé ça. Moi non plus. Tess, tu peux me dire ce qu'on fout ici. Et si c'était vrai? J'arrive tant. Mais pense-y. Joël, enfin, maintenant qu'on est là, autant en finir. Tu veux que je te rappelle ce qu'il y a dehors? J'ai compris. Il est désagréable, mais en même temps, wesh, sa fille, elle est morte dans ses bras, tu m'étonnes, il est aigri toute sa vie après. Hein. J'espère. Mais c'est trop bête d'avoir détourné la voiture. Par contre, les décors sont magnifiques. Hein. Je vais le dire tout le jeu, mais... le côté comme ça, la nature a repris ses droits et tout, incroyable. Alors c'est à ça que ces immeubles ressemblent de près. Ils sont immenses. Qu'est-ce que c'était que ça? Tess, t'entends ça? Ouais, mais ça venait d'assez loin. Merde. On est en sécurité? Pour l'instant. Allez. Par ici. Hé, Tess! Elles me suivent pas du tout. Hein. Ah, c'est par là que je devais rentrer à la base, c'est ça? Ah non. Oh. Il s'est fait massacrer. Ah ouais. Le corps est encore chaud. C'est une hémorragie ? Ouais, peut-être bien. Oh non, je sens que ça va être chiant ici, là. Je le sens. Rien d'autre, si. Les tests, dégage ! Il y avait des balles. Là. 18h08, arrivé aux coordonnées. Contact négatif. Moment de patrouille vers l'ouest, direction centre-ville. Contact négatif, contact toujours négatif. Débordement repli dans le bâtiment. Attente d'évacuation. On dirait que ces types sont morts en attendant les renforts. Qui est arrivé à son visage? Ça donne pas des années d'infection. Mais alors ils sont... aveugles? Si on veut. Ils se repèrent au son. Comme les chauves-souris? Comme les chauves-souris. S'il y en a un qui claque, cache-toi. Sinon ils te repèrent. Par où je vais là? Ah. Oh, l'ambiance. L'ambiance, elle est là, en tout cas. Hein. On dirait que tout le bâtiment est sur le point de s'écrouler. Ah bon? Attention à la tête. Ah oui, effectivement, d'accord, le bâtiment bouge. Il y a plein de trucs à ramasser. Hop là, à moi. Tout ça, c'est à moi. Donne-moi un coup de main. Ah,
fait vachement de bruit. Arrête ! Arrête ! Ça aussi, ça fait vachement de bruit, hein. Merci. Ça va ? C'est rien. Allons chercher des vivres. Ok. La vache ! Allez, foutons le camp d'ici. Je fouille, hein, je fouille parce qu'on sait jamais si je trouve des petites balles, j'avoue. Je vais pas me plaindre. Bon, bah là, j'ai trouvé du ketchup. Pourquoi pas une brique. Bon, on peut prendre la brique, hein, mais bon. C'est pas ça que je cherchais, quoi. Regarde s'il y a un moyen de passer. Okay. Tu peux m'aider, non? La voie est libre. Allez, Ellie. Ok, à ton tour. Allez. Ah, d'accord. Ok, je vois le genre. Bah, je passerai en dernier, c'est pas grave, hein. Ok. Allez, mon grand. Allez. Allez, mon gros, elle a dit ça, là? T'as pas dit ça, quand même, Tess. Rassure-moi. Tu m'as pas dit ça, hein. Dis-le-moi. Oh, merde. Go, go, go. Ah, ils font un bruit horrible. Faut vraiment que tu sois discret, mec. J'ai l'impression que vous me faites pas confiance, c'est... C'est un peu vexant. Je voulais la tuer! Pourquoi j'ai pas pu? J'ai pas vu ce qui était marqué. Tiens, nique ta mère! Pourquoi j'avais pas pu la tuer? J'ai plus de couteau ou quoi? C'est par ici. T'avais pas de surin? Ouais, bah j'aimerais en avoir un. Oh oui. Bon. Ellie, tous de soi, on dit pas non. Hein. À part que je me suis pissé dessus, ça va. C'est parti. L'escalier est bloqué. Pas pour longtemps. On fait quoi? On remonte? Et voilà, mesdames. Ok. Allez. C'est quoi le problème, les gars, du chat, là? Je comprends pas. Regarde pour t'en faire un, mais pour l'instant, on m'a pas expliqué encore les trucs pour construire. Faut pas regarder en bas. T'es sérieuse? Plateforme de 20 ans exposée aux intempéries aux bombes. Bon sang. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Allez, Ellie. Moi, quel vertige, ça, ça serait compliqué. Hein. Il faut qu'on traverse. Discret, Chris. Discret, discret. Vous m'avez déjà vu pas discret, de toute façon? Je m'en rappelle même pas. Oh, un nouveau pistolet. T'en auras plus besoin. Je te l'emprunte. Je vais aller voir. Reste avec la fille. Ok. Ah ouais, d'accord. Non, on va pas changer d'arme. Ah putain, il m'oblige.
J'avais pas envie de changer d'arme, moi. Moi, j'aime bien lui. Ok, discret, les gars. Concentrez-vous, là. Je ne te connais pas, mais voir des gens découvrir ce jeu me fascine toujours autant. J'aime tellement voir leur réaction. Après, je suis pas très réactif, je crois, mais... Donc lui, on est d'accord, il va me voir, hein. Ah merde, je me suis trompé de touche. Non, 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 non. Oh, il y a vachement de monde là, je trouve. Ah merde. Ils savent pas escalader normalement, rassurez-moi. Oh si. Mais quoi, lui aussi c'est escaladé? Mais quoi? Mais on est où là? D'où? Il y a des zombies qui savent faire qui savent faire du parcours. Je suis choqué. Non mais en vrai c'est ma faute, j'ai oublié, je me suis trompé de touche au début. Autant pour moi les frérots. Ça c'est vous quand il n'y a pas eu de pensionnat depuis des mois, vous êtes en mode vide le pensionnat. Le pensionnat. Et moi je suis là en mode ta gueule, le pensionnat on n'en peut plus ici, ta gueule. Claqueur, hein. Faut que je tue le claqueur. Le claqueur il est trop casse-couille. Les autres je peux les affronter à la limite. Mais le claqueur il est trop chiant. Mais j'ai pas de... Franchement je vais rentrer dans le tas, hein, je pense, hein. Je pense que je vais rentrer dans le tas, hein. Ah je peux le tuer, il m'abrique par contre le claqueur. Merci beaucoup Scarlet Witch. Bon courage avec les claqueurs, ils me terrifient. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ça fait longtemps de ouf. Non, je peux pas le tuer. Bon bah tant pis, hein. Quoi? Il résiste aux balles lui maintenant? Mais j'ai tiré dans la tête!
Lancer une brique et une bouteille sur un claqueur pour l'étourdir. Ok. Trouve un couteau. Ah bah putain, bah oui, pourquoi j'y avais pas pensé? Bête. Réglé, c'est fini. Ok, descendez. C'est impressionnant, Joël. Merci. Tirons-nous d'ici. Ouais, t'es impressionné. Je voudrais qu'on en parle plus en privé. Il faut okay, vous dépêcher, hein. Ok, tiens bon. Allez, ça va marcher. Et moi? les copains? Ok, c'est bon. J'ai eu peur, hein. J'ai cru qu'à un moment vous alliez m'abandonner, quoi. Et moi? Ça passe bien? Ouais. Et comment je... changer de pistolet du coup parce qu'on a moins de munitions sur l'autre. Oh putain, des ciseaux et du sparadrap. Oh. Tiens, remets-toi sur pied. Bah moi je trouvais que ça allait mais Oh, je peux créer un kit médical. Ah mais ça y est, je peux créer des trucs, mais pourquoi ils m'ont pas dit? Vas-y, je crée ça moi. Oh. On descend. Ils attendaient quoi pour m'expliquer le craft? Bah ouais, on descend du coup, hein. C'est bon, on peut y aller. On peut passer là. Attention. Aïe. Ça, je me disais. Quand on aura récupéré les armes, on pourra peut-être souffler un peu. Tu veux souffler un peu? C'est toi qui parles tout le temps de finesse convert. Et toi, tu m'envoies toujours chier. Bon, à cette fois. J'attends de le voir pour le croire. C'est par où là? Parce que moi je suis dans l'eau et bah, il fait super froid. Hein. Où je vais, mais écoutez, je crois que c'est la bonne direction. Salut Rémi. Par ici. En vrai, j'espère qu'ils sont vaccinés contre le tétanos, hein, parce que c'est chaud en vrai. Test. Oh, du mais un métro. Par ici. Ah, je crois que c'est ici que Emma a été bloquée. Oh putain, un cocktail molotov. Hop là, dans ma poche. Ah, mais le tutoriel sur lequel j'appuie pas depuis tout à l'heure, c'est justement pour ça. Ah ouais, mais ça dit pas. Ça dit pas aussi. Et ça, du coup, c'est quoi? C'est des trucs...
Ah ouais, je peux pas pour l'instant. Ah oui, ok, il me faut 50 pilules. Regarde sa manche. J'ai capté. Une luciole. La manche de qui? De lui? Ils viennent de la zone de quarantaine. Tu vois, c'est pas nos types. Si tu regardes pas les tutos aussi... Ah ouais, je pouvais pas savoir. Par ici, tu les vois? Ok, Joël, passe devant. Je couvre nos arrières. Ellie, quoi qu'il arrive, tu restes sur ses talons. D'accord. Ouvre-moi. Ça marche. Lui, on va le niquer d'abord. Alors, juste pour info, il ne voit pas les lumières, les monstres. Ça au cas où, hein, on sait jamais. Ce qu'il nous faudrait, c'est une hache. Ouais, le bruit est horrible, hein. Mais je vais les tuer. Je vais le faire pour vous. Elle sert à quoi? Elle sert à quoi? Elle sert à rien, frère! Elle sert à rien! Elle nous est pas du tout été utile, là. Je crois que j'ai peut-être fait du bruit, là. Moi je veux des couteaux encore, mais je peux pas. Il me faut du sparadrap et des ciseaux là. Terrible. Aller dans le magasin, ce truc, il y aura des trucs. Ah, il y a lui. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Attendez, moi je sais plus. Comment je me rappelle du code? Non, c'était pas ça. C'était pas ça. Non. Non.
3 43 78. Ouais, de ouf, bon courage pour le code, les gars. Hein. De ouf, j'étais perdu là. Là, c'était dur. J'ai été complètement perdu. Il y avait rien là-dedans. Ok, je pense qu'il faut qu'on lui nique sa gueule à lui. Ou alors on envoie là-bas. Derrière toi. Derrière moi. C'est toi derrière moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, là-bas. Oui, on va y aller, mais je regarde juste s'il y a un truc intéressant ici. Il y a du bruit là. Oh, c'est un claqueur. À ta gauche. Oui, j'ai vu. Non, j'ai pas regardé le premier épisode de la série. Faut se dépêcher là. Hein. Faut se dépêcher, hein. C'est de la chance. Et ça ne va pas durer. Oh putain, le silence enfin. Oh, très belle maison. C'est par où, Tess? Le Capitole est dans cette direction. Ok. Bien, allons-y alors. Pardon du dérangement. Ah mais non, va falloir que j'aille dedans, c'est ça? Voyons ce qu'on peut trouver. Bon bah allons-y alors. Désolé mon ref. Ok. Ça, c'est fait. Y'a rien là-dedans. Ok. Salut Chris, tu vas bien? Ça va, ça va. Oh oui! Du sparadrap. Tout ce qu'il nous faut pour faire un petit couteau. Ok. Ok, il y avait rien de spécial en fait ici. J'étais... Ah si, ça. C'est parti. Ce n'est pas rien finalement. Hop. Pardon! Dégage! Tess!
Ok. Hop là. Grimpez là-dessus. On accélère. Oh merde. Ils arrivent. Je sais. Ouais, En vrai, ça doit être tellement horrible dans la vraie vie, ça, là. T'as un truc sur ta chaussure. Dégueu. Bon, comment on sort de cet endroit? On va bien trouver. Et là, c'est... Allez, c'est parti. Là, je peux améliorer des trucs. Utilisez des pièces récupérées pour améliorer vos armes. Ah, ok, c'est ça que j'attendais depuis tout à l'heure. Ça, c'est ce qu'elle croit. Créer un emplacement supplémentaire dans votre sélection d'armes vous permet de dégainer rapidement un deuxième arme courte. Ok. Ouais. Moi, j'aime bien cette arme-là, donc j'aimerais améliorer celle-là. J'étais dans un pensionnat militaire. T'avais fait le mur? Ouais, pour explorer la ville. J'étais dans le centre commercial quand j'ai croisé des infectés. L'accès à cet endroit est interdit. Comment t'y es entrée? Je me suis débrouillée. Bref, un de ceux que vous appelez coureur a fini par me mordre. Voilà, c'est tout. Je vois. T'étais avec Marlène quand tu t'es fait mordre? Non. Je suis allée lui demander de l'aide après. Ça m'étonne qu'elle t'ait pas descendue sur place. Elle a bien failli. J'espère qu'elle va bien. Ok. Je te l'ai dit, elle va s'en sortir. Ça c'est fait, du coup je pourrais plus rien améliorer, je pense. J'aime pas du tout les revolvers, moi. Ok. Hop, et du coup, ça pour l'instant je peux pas. Ok. Ça fera très bien l'affaire. Y'a rien d'autre ici? Je pense pas. Ah. On a plusieurs chemins, je sais pas par où aller moi. Ok, attention à la tête. Et vite, go, go, go! Joël! Je suis là, je suis là! Je suis en vie! Je vais essayer de vous rejoindre! Ils sont là! Tess! Go! Go! Merde! Oh non, pas encore les claqueurs! Tess! Normalement, on a un couteau. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. On a de quoi en faire un autre? Oh merde, non. On n'a pas de quoi en faire un autre. J'ai un gros bâton, moi. V1.
Vu que j'ai pas d'armes, on va être sur la discrétion totale, hein. Pas le choix. Ils se battent là, hein. Je crois qu'ils se battent, hein. J'ai pas envie d'utiliser mes balles. Hein. Je vais me battre, moi. Juste aidez-moi, quoi. Aidez-moi. Vous m'avez pas du tout aidé. C'était bien trop juste. Y'a rien de caché ici. Oh, le jour se lève. C'est pas par là, c'est ça? Ah oui, c'est complètement ça. Allez Ellie, pousse-toi, hein. Laisse-moi passer. Ah, on fait pas de la tyrolienne, ok, d'accord. Faut trouver un moyen de traverser. Bah, y avait la tyrolienne. C'est bon, c'est ce bâtiment. Ah oui. Poussez-vous. Mais alors, il veut mettre ça où? Ah putain, d'accord, tu veux mettre ça au milieu là? Genre là? Ok. Fais bien attention en traversant, parce que tu pourrais... Eh, hey, mais sale gosse. Alors, est-ce que c'est de ça que tu rêvais? Ça reste à voir, mais... La vue est magnifique. Allez, par là. Hé, hey, traîne pas. Ouais, je sais qu'il faut que je regarde partout, mais... On y est presque. J'ai pas envie de perdre trop de temps non plus à checker partout. Je me débrouillerai, t'inquiète. Moi les jeux, faut checker partout, alors que c'est pas un jeu de looter, ça fait chier un peu. C'est juste derrière. Allez. Ne t'arrête pas. Oh putain, à la Uncharted, il y a des trucs jaunes pour savoir où il faut aller là, c'est ça? Ah non, rien à voir. Ah, il y a du... Là, le monsieur, il a forcément un petit truc sur lui, là. Hop là, petite munition, petit regarde papier. Regarde ça. Il a le symbole des lucioles sur le bras. Mmh.
Pourtant, c'est sûrement le plus important. Ouais, je sais, mais moi, ça me fait chier. Donc, t'inquiète, j'arriverai à finir le jeu sans, donc c'est pas grave. Je veux pas le 100%, moi, je veux juste le scénario et kiffer. Hein. C'est pas très grave, le reste. On y est presque. Ouais, c'est beau, par contre. What the fuck? On y est presque, Tess. C'est magnifique. Oh, je suis choqué, là. Juste pour info, ça ressemble à une scène de gunfight. De gunfight, hein, donc préparez vos pistolets. Je suis contente que Marlène vous ait embauché. Comment ça? Je sais qu'elle vous paie pour ça. Je voulais vous dire merci. Ouais, pas de problème. On fait quoi maintenant? On se fout une balle. Fin du jeu. Qu'est-ce que tu fais, Tess? Oh merde! Peut-être qu'ils avaient une carte ou un truc pour nous dire où ils allaient. Jusqu'où ça va aller aussi comme ça? Aussi loin qu'il le faudra. Où se trouvait leur labo? Elle m'a pas dit, elle a juste dit que c'était quelque part vers l'ouest. Qu'est-ce qu'on fout ici? C'est pas pour nous, tout ça. Qu'est-ce que tu sais de nous? De moi? Ce que je sais, c'est que tu es bien plus maligne que ça. Vraiment? Écoute, on est des ordures, Joël, et ça fait trop longtemps que ça dure. Non, on est des survivants. C'est notre chance! C'est terminé, Tess! On a essayé. Alors maintenant, rentrons chez nous. Non, je... Non, je n'irai nulle part. Pour moi, ça s'arrête là. Pourquoi? Il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. Mais enfin, qu'est-ce que... Non! Ne me touche pas. Oh, malade. Elle est infectée. Joël. Fais-moi voir. Ça te fait pas. Fais-moi voir. Oh, mais... Ah oui, c'est pas un peu. C'est con, hein? Donne-moi ton bras. Ça fait 3 semaines. Je me suis fait mordre il y a à peine 1 heure et regarde, c'est déjà pire. C'est pas des conneries, Joël. Tu dois emmener cette fille chez Tommy. Il traînait avec ces types. Il saura où aller. Non, 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 non. Ça, c'était ton idée. Je ne veux pas faire ça. Si, tu dois. Écoute. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, tu peux bien faire ça pour moi. Alors tu vas l'emmener chez Tommy. Merde. Merde. Ils arrivent. Putain. Je peux les retarder, mais vous devez faire vite. Quoi? Alors, tu veux qu'on te laisse ici? Oui. Tess, il est hors de question. J'ai que... J'ai aucune envie de finir comme ces monstres. Je t'en prie. Ne rends pas ça plus difficile. Je peux me battre. Vas-y, pars! Allez, fous le camp. Ellie. Désolée, je voulais pas que ça arrive. On y va, dépêche-toi. Je découvre, perso, j'avais vu que le 2. Ah merde! Pensez que vous êtes là! Lâchez vos armes et sortez avec les mains en l'air! Ça, si seulement il refaisait un remaster des Uncharted aussi avec des merde graphismes comme ça là. J'arrive pas à croire qu'on ait fait ça! Ça serait pépita. Elle va se faire tuer là-bas. Ta gueule! Tais-toi! Reste derrière moi, on doit y aller. Elle parle fort! Continue d'avancer. Cible neutralisée. Elle a descendu deux de mes hommes. Bien sûr. Vous, ouvrez la porte. Vous, avec moi. Bien, chef! Ok. Ok, ok, ok. Pas tarder. Oui, j'ai ça, je me doute, mais Où est-ce que tu veux qu'on aille là? T'en
prendre ça, mon gars. T'en auras plus besoin. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va survivre et avancer. Je m'en occupe. Ça a pas marché comme prévu. Oui, bah ça a pas marché comme prévu. Vas-y, mon gars. Oh. Il y en a un autre là. Ouvre-moi, j'avance. Le grenade. Oh putain, je suis vraiment trop nul. Tape dedans, tape dedans, mec. Bon, écoute, mec. Ah non. Voilà. Ok, ok, viens, Ellie. Attends deux secondes, Ellie. Je vais juste récupérer des petites munitions par-ci par-là. Ne bouge pas. Hein. C'est un allez. Une petite balade de courtoisie, d'accord. Y'a rien ici. Des bonnes munitions de fusil là. Ça, on dit pas non. Ah, c'est un bout de bois, ok. Chris fait un effort. Eh, je fais ce que je peux, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Joël, comment on va sortir? Ok. On va traverser cette salle. Reste baissé. Je sais pas combien ils sont. Que les gens spoilent, c'est ça l'anel. Oh. Je crois qu'il m'a vu. Dans la tête. Ok, bouge pas. On s'en va! Suis-moi! Cours, allez, cours! Je bouge pas. Comment t'arrives à respirer avec ce truc?
Tu vois, je te mentais pas. Tu les as vus? Non, y a rien ici. Tu te fous de ma gueule? Ils sont passés par là! Oh, je crois que ton pote est à côté. Je crois qu'il est à côté, mais... Dieu merci, il est aveugle. Ah, je peux changer de côté pour tirer. C'est ça que je cherchais tout à l'heure. Ok. On y va. Bah ouais, tu vas apprendre à nager surtout, hein. Je crois que c'est ça la solution, hein. Par contre, faut avoir envie, hein, de se mettre dans cette eau dégueulasse, hein. La solution... Ah, t'es là. Bah accroche-toi à la barre, en vrai, En vrai, porte-là, non? Je sais pas si la solution elle est devant ou elle est derrière. Ah oui, c'est ça que je voulais voir si je pouvais faire ça. Ok, parfait. Ok. Waouh! Ok. Oh. Bah t'es là toi. Hé, regarde, elle marche. C'est bien, on est content, Ellie. Non, non, t'inquiète. Je vois pas pourquoi tu dis ça, hein. Il y a forcément des trucs sous l'eau, non? Wouh, on a failli mourir, hein. C'est un cul-de-sac. Bah, faudrait aller l'autre côté, non? Attends, il y a peut-être un truc que j'ai pas vu. Ah bah oui, il y avait un truc que j'ai pas vu. Il y avait un truc là par terre là. Par contre, il y a peut-être un truc là-bas, du coup. Ah. Ah oui, il y a une échelle là. Il y a une échelle. On peut essayer ça. Genre, tu peux pas l'attraper là, vraiment? Ma gueule? Thank you.
Qu'est-ce que c'est galère là? Bah non, ça va, hein. J'ai connu pire comme galère. Hein. Ah non, c'est pour Ellie. Ah oh ouais, le taxi quoi. Bon bah allez, hein, Titanic, monte. Saute. Sérieux? Ellie. Ok, ok. Oh. C'est bon. N'aie pas peur, t'inquiète, attends, je gère. Maintenant, tu montes là-dessus, hein. Plus lent, plus lent. Tirons-nous d'ici. Écoute, à propos de Tess, je sais même pas. Je vais t'expliquer comment ça marche. Tu ne me parles pas de Tess. Jamais. En fait, on va tous les deux éviter de parler de notre passé. Et deuxièmement, ne parle à personne de ton état. Ils penseraient que tu es folle et voudraient te tuer. Et enfin, tu fais ce que je te dis quand je te le dis. C'est compris ? Ouais. Répète-le. Je suis tes ordres. Bien. Il y a une ville à quelques kilomètres au nord avec un type qui a une dette envers moi. Il pourra sûrement nous trouver une voiture. Ok. Ne traînons pas ici. Regarde ça. Ouais, on ira plus vite en passant par là. Waouh. Quoi? Rien, c'est juste que... C'est beau. J'ai encore jamais vu un truc pareil, c'est tout. Quoi, la forêt? Ouais. J'ai jamais marché en forêt. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Eh ben écoutez, mesdames et messieurs. Pas Marlène. Si elle pouvait s'occuper de toi, elle nous aurait rien demandé. Peut-être qu'elle va mieux maintenant. La gueule.